Yeah, I can start. Bonjour. Bonjour, Nat. Hello. Je m'appelle Olivier, j'ai fait deux, trois choses et j'ai demandé à Ton, parce que j'ai vu qu'il y a fait deux, trois ans qu'ils ont les German User Community. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer avec les francophones. J'en ai croisé quelques-uns, ça fait quelques temps. Donc je vous avertis tout de suite, j'ai rien prévu, donc je compte sur vous. D'accord, bah voilà, j'ai prévu, si j'ai prévu en fait, j'avais noté des petites notes. J'ai commencé la première ligne, c'était on va faire un tour de table, se présenter. Puis après j'avais plus d'idées, puis je me suis dit ça va venir pendant. Donc ça va être assez informel, en tout cas pour la première fois. Après c'est aussi une occasion d'en discuter, est-ce que les années prochaines on peut formaliser, est-ce qu'il y a une autre façon de faire ben, je sais qu'il y a aussi des autres, c'est des conférences où il y a tout libre, il y a différents événements francophones que, dont les gens, les RMLL, où il y a déjà des utilisateurs comme ça qui se retrouvent. Mais c'est vrai que la Blender Conference, particulièrement pour Blender, c'est l'endroit où on peut vraiment retrouver plein de gens. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter, de se connaître. Moi, je ne suis pas français, je suis de Suisse. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns, un collègue, il y a aussi Belge, je crois. Il est où? Voilà. Govert aussi, non? Bon, il n'est pas encore là. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit tour de table. Il y a aussi l'ordinateur, donc si vous voulez vous montrer ce que vous faites dans votre studio comme ça, il y a YouTube, il y a le réseau rapide. Donc on peut montrer des choses sans avoir peur d'attendre, parce que sinon on devrait commencer à précharger avant-hier. Mais là, ça devrait jouer. Alors, je sais pas quel. On a le micro. Ouais. Alors c'est une bonne question. C'est la question. Donc, j'essaie de répéter un petit peu pour le streaming, parce que je pense qu'il y a quelques personnes aussi. C'est que font les Allemands pendant leur user conference. Donc, qui a été? Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris. C'est ça? Non, mais je sais qu'il parle aussi, par exemple, des Blender Days, donc différentes activités. Donc, si vous avez un événement que vous aimeriez faire la publicité, dont vous aimeriez faire la publicité, profitez-en. Je vois qu'il y a déjà une question, quelqu'un qui lève là. Hein? Tobias parle pas. Alors, Tobias parle pas le français, mais j'ai travaillé avec lui sur deux trois projets et en fait, il est allemand et il était hier à la partie allemande. Mais peut-être qu'on peut profiter de lui poser la question à lui de quoi ils ont discuté et puis le traduire après ou en anglais. But don't worry, just go ahead with French. So he will translate. The question was what was discussed yesterday on the German speaking meeting, like us, yeah, now. Also, was Sie gestern diskutiert haben hier in der. Das ist die Frage? Ja. Okay. Yeah, usually we have Thomas Dinges sitting on your place, and he's. So he's the Cycles core developer, and he's. Also organizing the Blender Day, and he is also organizing the Blendpolis Forum, and they just repeat what happened in the year and what are the current tasks and what can be improved and how can we work together better in Germany to get to know each other. And we also discuss the benefits of the Blender network. And there was just a question of how many people are on the Blender network and how many have projects and so on. And then the members or the attendees could ask questions about what's going on in Blender in Germany. And so this was very nice. And I hope you have also a nice time here. But just go on and speak French, so I just try to guess what you're talking about. Ok, thank you. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc éventuellement, je pourrais commencer par de ce que je connais, ce que je sais,
Après, on va pouvoir parler ou présenter un peu les autres forums qui existent. Donc, donc on peut aussi faire par, pas vraiment par pays. Simplement, je vais commencer par celui que je connais un peu le mieux, c'est la Suisse. Donc, je fais aussi un petit peu la promo. Je profite de nos différentes activités. Donc, on a, avec quelques utilisateurs, un Swiss Blender User Group qu'on a commencé. On va faire des réunions un peu plus ponctuelles. Et c'est vrai que ça risque de se discuter parce que voilà, France aussi, il y a différents endroits et c'est toujours assez loin aussi pour se déplacer, pour rencontrer tout le monde. Donc je vous fais peut-être aussi pour tout simplement parce que je commence à faire le tour de table pour que les gens me connaissent. Je ne sais même plus si c'est user ou ouais. Je pourrais faire une... J'ai joué ma démo reel simplement pour que. There's no sound, guy. Le son de la vidéo, c'est vrai ça? Ah! Ouais. Bon, de toute façon, dans une démo-reel, l'important c'est les images, parce que moi je fais pas de son. Donc je vous laisse regarder un petit peu ces différents projets que j'ai fait avec le boulot. Voilà. Et j'ai aussi fait un petit film d'animation. Il termine bien. Voilà. Alors, c'est maintenant le moment un peu difficile pour vous, parce qu'il va falloir participer. Donc, j'aimerais que... Il y ait d'autres personnes qui viennent et qui se présentent. Voilà, on a un joyeux courageux. Après, il faut simplement aller devant pour que le streaming voit bien. Ok, bon. Ok. Alors, ici. Ok. Alors, moi, je viens de Suisse. Donc, la même chose que Olivier. Donc, j'ai commencé à utiliser Blender il y a une dizaine d'années en arrière. Et puis, j'ai ouvert et immédiatement, j'ai refermé après. Mais la motivation pour refaire, je ne sais plus quelle image m'avait marqué, mais il y avait une superbe image et je voulais absolument la refaire. Alors après, un peu par hasard, je me suis mis dans le projet SuperTuxCart, qui est actuellement celui où je travaille principalement, que je pense que vous avez vu la vidéo hier. Bon, je peux la remontrer ici. Donc en fait c'est un jeu de course de voitures et de cartes et puis ça c'est actuellement mon principe. Alors ça c'est pas le dernier trailer vidéo. Ok, c'est celui-là. Donc voilà, donc ça c'est le type de boulot que je fais actuellement, ce qui passe. Ce qui passe donc par toute la création des maps, des concepts, en fonction de ce que veut l'équipe en fait dans le projet. Et aussi de coordonner les artistes qui nous font des objets, de mettre un peu tout le monde d'accord. Ce qui, d'un point de vue artistique, n'est pas forcément évident. Alors voilà. Et bon, c'est bientôt fini donc. Merci. Alors voilà. Alors nous on utilise Blender en fait pour faire tout ce que vous venez de voir. Le rendu par contre est fait dans notre moteur pas propriétaire au niveau de la licence, mais propriétaire dans le sens que c'est nous qui l'avons fait. Et vous pouvez y jouer. Alors voilà. Est-ce que tu cherches des utilisateurs Blender aussi pour t'aider ou d'autres gens? Alors ouais, donc si vous avez envie de faire des objets pour ce jeu ou même pour vous amuser, pour voir ce que ça fait de contribuer dans un vrai projet, bon je fais de la pub pour mon truc, mais je pense que c'est un bon moyen d'essayer parce que le projet est déjà établi, il y a des gens qui y jouent. Et ça c'est un gros truc qui est vraiment motivant, c'est qu'on sait que dès que l'objet est inclus dans notre librairie, quelques mois après, une nouvelle version sort et les gens vont voir ce que vous faites.
Donc si vous avez envie de faire des objets et des choses, en plus c'est pas compliqué, nous on demande pas un style incroyable au niveau des détails et tout, parce qu'on n'a pas forcément le temps, c'est surtout une question de temps en fait, par rapport à notre équipe artistique. Et si vous avez envie de faire des objets pour vous amuser, ouais, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà. Il y a une question ? Tu m'avais dit hier que les voitures, ça s'intéressait. On a fait un projet avec des enfants. Je pourrais vous montrer, mais c'est sur mon ordinateur. Je pourrais en parler si tu veux. On peut passer les voitures des enfants. Okay. Bah alors écoute, ouais, pourquoi pas. Après, il y a une chose que, bon, qui est pas très sexy à parler, mais il y a les copyrights. Et puis ça, c'est un truc un peu un problème, parce que, par exemple, si vous faites une super canette de Coca-Cola, on pourra pas forcément l'intégrer comme ça dans le jeu, donc. Mais, sinon, ouais, Ok. Bah, pourquoi pas, il faut nous contacter sur notre site, et puis, de toute façon, nous, on a un système que vous pouvez mettre vos propres modes très facilement dans le jeu. Notre jeu est vraiment très amical avec les mods, donc vous pouvez facilement faire vos propres maps et vos propres trucs. Puis là, nous, on regarde pas trop, tant que c'est, y a rien d'offensant, rien de pornographique. C'est un jeu pour la famille, donc on évite ce genre de choses. Ben voilà. Et puis, ben, si des gens ont des questions, qui sont débutants dans Blender, moi, je veux bien les aider, donc, même ici, dans les conférences, à montrer des petits trucs et des choses comme ça. Juste par rapport au projet, parce que je vous suis, mais de très très loin et pas souvent. Vous êtes combien déjà dans l'équipe? Et puis à y être, reparle les versions qui viennent de sortir et compagnie, ça fera pas de mal. Alors, combien on est dans l'équipe? Donc, si on met vers la fin du trailer, ici il y a à peu près tous les membres principaux. Donc voilà. Alors, les trois principaux, bah, c'est... Alors, il y a les deux leaders. Il y a moi-même, Jean-Emmanuel Clemenceau. Ensuite, on a plusieurs personnes, des musiciens, des gens qui font deux, trois objets, qui repartent. C'est un peu comme le Blender Institute, étant donné que c'est un projet open source. Il y a des gens, des fois, qui font un patch sur GitHub, ils nous le soumettent, puis après, ils repartent. Puis d'autres qui restent là pour une vie. Notre chef, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il est là-dedans, et moi-même, ça fait 5 ans. C'est tout bon. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup. Présentation. Donc, est-ce qu'il y a un autre volontaire ou quelqu'un qui aimerait parler, prendre la parole, montrer leur studio qu'ils font, leur projet qu'ils organisent? Et puis après, on parlera, on demandera s'il y a des développeurs dans la salle. C'est toujours intéressant de savoir si on a des. Enfin, on en a un ou deux, mais voilà. Je te laisse, Julien. Ouais. Bonjour, donc moi c'est Julien Durour. Vous avez peut-être déjà entendu parler hier. J'ai parlé de plusieurs trucs. Le premier, bah, c'est donc le collectif où je suis. Hop. Donc c'est RGB. Ah, c'est un clavier QWERTY. Ah. C'est bon, je vais m'en sortir, tout va bien. Ouais, ouais. Donc on est 6 membres, donc 2 Toulouse. Comment on fait pour là? Ok. Je vérifie que c'est bon. On est 6 membres, on est assez complémentaires, on a tous nos spécialités, vous pouvez retrouver ici. Donc on a Henri qui bosse plus sur le lighting, le rendu, etc. Kevin qui est sur la partie real time. Marc qui fait du matte painting. Comment on scroll déjà là-dessus, c'est terrible. Ah, c'est ça, ça y est, ça me revient. Donc moi qui fais du rigging et de l'animation, Mathias qui fait jeux vidéo et de la 2D, et Joël qui fait plus de l'animation et de l'architecture. Donc vous avez sûrement vu la petite araignée qu'on est en train de faire. Voilà, on démarre. On est tous de Toulouse. On est tous dans la 3D déjà, et on se met ensemble pour essayer de monter des projets un peu plus importants.
Sinon, je peux parler aussi du Blender Group, Blender User Group toulousain, parce que j'en fais partie depuis quelques années maintenant, ça fait 5 ou 6 ans. Donc on est le je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de Toulouse ou de la région, je ne pense pas, je pense que je les aurais... Ah ? Oui, mais toi, je te connais. Et ah, il y a d'autres Bordelais là-bas. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Bug Toulousain, donc voilà, on a un site internet, parce qu'il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Voilà, un site et puis un forum où on retrouve voilà, Blender et Cassoulet depuis 2007, c'est notre mot d'ordre. Co-organise cette année, la partie Capitole du Libre. Donc, en fait, on est quand le Blender User Group, on est hébergé par l'association Tout Libre, qui est une association défend les logiciels libres dans le Toulousain. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a des locaux pour se réunir une fois par mois, donc avec le Blender User Group Toulousain. Et donc, on prend en charge aussi, du coup, cette année au Capitole du Libre. Donc, il y a un gros événement sur Toulouse qui a lieu le 21 et 22 novembre, donc dans un mois. On prend en charge toute la partie création 3D. Donc il va y avoir un certain nombre de conférences et 2D aussi, un certain nombre de conférences donc sur Blender. Donc il y a des gens qui sont ici qui vont venir présenter. Moi je fais une conf aussi. Il y a David Revoy que certains d'entre vous connaissent qui viendra aussi nous parler de son projet Piper and Carrots. Il y a François qui était là hier qui a fait une présentation vendredi. Qui sera là aussi, qui va nous parler de Natron, etc. Donc voilà, le programme est sorti il y a 4 ou 5 jours, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, donc vous cherchez Capitole du Libre ou alors toulibre.org, si je dis pas de bêtises. Hop, il devrait y avoir un lien vers le Capitole du Libre, voilà. Où il y a le programme complet. Il y a Fricad qui est là en guest star un peu cette année, le développeur principal qui est je sais plus où. Voilà. Qui est brésilien, voilà. qui sera avec nous au Capitole du Libre, donc il y aura plein de confs aussi sur Fricad si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à venir me poser des questions, si vous avez des questions sur RGBA, sur... le Blender User Group sur le Capitole du Libre, voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et il y a Mathieu qui est là aussi au Capitole du Libre. Et il y a Benoît aussi qui est là au Capitole du Libre. Oui, je te laisse le micro. Moi, je vais parler très très vite de moi parce que j'ai déjà fait une conf, donc voilà, vous aviez qu'à venir. Non. Je m'appelle Mathieu Dupont de Dinchin. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je suis architecte et en fait, j'aime beaucoup Blender parce que c'est Blender qui m'a fait tomber dans le libre il y a longtemps. Je connaissais rien au libre, ça m'intéressait pas plus que ça. Et donc je suis architecte indépendant, ça c'est mon site, ou qui devrait pas être comme ça, mais normalement il y a des images. Et je suis formateur Blender aussi. Et j'ai écrit un bouquin sur Blender pour l'architecture. La mise à jour va sortir pour Noël. Donc si vous voulez que je puisse me payer des cafés, vous pouvez. Voilà, c'est un café par livre à peu près. Non, non, je plaisante. Mais surtout, j'ai aussi fondé un Fab Lab qui s'appelle Chantier Libre. Donc libre parce que... Non, j'ai oublié le B. Donc dans ma petite ville, il n'y avait pas de Fab Lab et il n'y avait pas de groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Je vais y arriver.
Donc c'est un petit Fab Lab associatif. On n'a pas de financement. Et on s'amuse bien. Et surtout, on essaye vraiment de faire la promotion du logiciel libre dans les Fab Labs. Et c'est la conférence que je vais donner à Tout Libre. C'est que c'est pas forcément évident. Parce qu'il y a énormément de Fab Labs qui parlent beaucoup du libre, mais qui échangent beaucoup de fichiers, mais qui échangent beaucoup de fichiers Autodesk, SolidWorks et tout ça. Et il y a encore énormément de boulot à faire là-dessus. Donc nous, on fait des ateliers avec des enfants, on est ouvert une fois par semaine, on a une imprimante 3D, une fraiseuse et tout ça, on fait des petits machins marrants. Et voilà, alors bon, ça fait un peu loin d'ici, mais si vous avez des questions sur voilà, les outils libres, donc on utilise beaucoup Blender, FreeCAD, Cura pour l'impression 3D, Repetir, tout ça. Et pour la CNC, on utilise beaucoup Blender Cam, qui est une version spéciale de Blender pour faire de l'usinage. Donc voilà, si vous avez des questions sur la fabrication numérique et les logiciels libres, voilà, vous pouvez venir m'en parler, ce sera volontiers. Voilà. Au suivant, sauf s'il y a des questions. Non, c'est pour parler, pour faire. Moi, ça va aller très vite en fait, parce que je suis tout nouveau, je me sens tout petit par rapport à vous. Parce que moi, ça fait. Effectivement, j'ai ouvert Blender il y a 10 ans aussi, et puis je l'ai vite refermé. Mais en fait, moi, je suis développeur, je ne travaille pas du tout dans le graphisme, hein. Je suis développeur C++, Java, etc. Donc je ne travaille pas du tout dans ces domaines-là, mais c'est des domaines qui me passionnent. Donc ça fait 2 ans que je me suis mis vraiment à faire du Blender à fond, à fond, à fond, et à essayer d'apprendre. Donc je suis toujours en train d'apprendre, et je suis très content d'être venu là. Et il se trouve aussi que je suis prof d'informatique, et du coup à Bordeaux. Et du coup, là, ça va commencer. J'ai proposé à l'école, parce qu'ils ont acheté une imprimante 3D, parce que maintenant tout le monde veut une imprimante 3D, mais personne ne sait quoi en faire. Parce qu'il faut savoir modéliser, évidemment. Et du coup, j'ai proposé éventuellement de hors cours, de faire des ateliers, des choses comme ça. Et apparemment, c'est un succès fou, parce que tous les étudiants veulent venir. Donc moi, je suis aussi à la recherche de contacts, de gens qui voudraient venir présenter des choses, partager, éventuellement peut-être aussi avoir un Blender User Group sur Bordeaux, où moi je suis très content d'apprendre qu'il y en a un sur Toulouse, parce que je ne savais pas, parce que je suis juste ignorant. Et voilà. Donc. J'ai une question, est-ce que tu développes aussi ou tu commences à développer au Blender, ça t'intéresse ? Alors en fait, ça c'est mon grand dilemme, puisque je donne des cours, je développe à côté, j'essaye de faire des choses. Et quand je joue Blender, j'ai toujours ce dilemme, c'est-à-dire est-ce que je vais voir le code source ? Ou est-ce que je modélise ? Et pour l'instant, je me suis en fait interdit d'aller voir le code source. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à modéliser. Mais je sais qu'un jour, ça va me tomber dessus. Et il est prêt. J'ai cloné le GitHub. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ouvert, mais j'ai vite refermé. J'ai fait non. Je veux faire de la modélisation en fait. Mais oui, voilà, il faut que je choisisse et ça me prend énormément de temps. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. Je sais pas du tout si je peux brancher. Quoi, un MacBook Air. Sinon, je peux brancher une carte mémoire sur ton ordi. C'est les SD. Là. Je vais aller là-dedans, ouais, je vais naviguer là-dedans. Bonjour. Bah, j'ai pas du tout prévu de parler ici, hein, je débarque.
C'est juste pour peut-être 5 minutes. En fait, donc je travaille au Human Brain Project, donc on fait de la visualisation scientifique neuronale. Et pour vous dire que le projet de AstroBlend que vous avez peut-être vu hier m'a beaucoup intéressé parce que depuis un an, je développe moi-même des moyens, donc beaucoup de Python. Je suis designer à la base hein, et puis j'ai aussi une approche au code. Je connais la programmation orientée objet, donc le Python c'était assez facile. Je suis tombé dedans avec Blender et puis on fait de la simulation neuronale, donc on essaye d'avoir des circuits neuronaux et ensuite de les visualiser, l'activité électrique, ce genre de choses-là. Pour vous dire, vous montrer rapidement le genre de choses. Alors. Ça c'était... Il y a le son avec en plus, mais... Voilà, parfait. Alors, pour montrer, ça c'est des outils en fait qui ont été développés par... j'ai une équipe de tarés avec moi. Ils sont 10 et puis ils font leur propre truc en C++, c'est vraiment... ils sont très forts. Mais ils font des choses qui sont pas toujours géniales, c'est-à-dire que par exemple là il y a un outil qui est ArtiNeuron, qui a été fait par un type, il a travaillé dessus en 5 ans. Là, c'est des Espagnols qui travaillent sur comment faire du Adaptive Mesh Refinement, on the fly, en fait, sur le GPU. Et y a pas mal d'outils qui vont passer comme ça. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est en dehors de Blender, et j'essaye d'utiliser toutes ces choses pour les amener dans Blender, puis après faire ça tout open source, en fait. C'est un travail assez conséquent, mais donc voilà, on a différentes méthodes de visualisation. Ici, vous voyez des mesh qui correspondent à des CT scans. Les CT scans, c'est quand on scanne un tissu vivant ou mort, et puis qu'après, on le reconstruit en volume. Il y a la reconstruction par mesh ensuite, parce qu'on simplifie le volume pour en faire quelque chose de plus simple et qu'on puisse ensuite mapper des valeurs par UV texturing, mapper des couleurs ou des choses qui correspondent à des signaux électriques, par exemple. Là, vous voyez une vision abstraite d'un circuit neuronal où on peut sélectionner dans une colonne neuronale différents neurones de différents types. Et ce genre de choses, en fait, c'est toujours des outils qui sont un petit peu disparates, faits par des scientifiques qui sont... un peu dans leur coin, suivant les instituts. Et là, on voit un exemple d'outil qui n'est pas très joli. Il y a de l'aliasing. En fait, c'est moche, mais c'est... comment dire... c'est fonctionnel, on va dire. Et mon rôle aussi dans la visualisation, c'est d'apporter une touche un peu plus artistique. Ils m'appellent l'artiste automatiquement, mais j'essaye de vraiment aller vers les scientifiques. De comprendre ce qu'ils font, ce qui n'est pas facile suivant comment ils parlent. Vous avez vu le talk de la postdoc anglaise sur AstroBlend. Elle utilisait des termes très compliqués. Il faut vraiment faire un pas vers eux pour comprendre ce qu'ils font, pour ensuite ressentir quelque chose de compréhensible. Là, c'est un volume render qui est écrit par deux fous des maths chez nous. Et justement, j'aimerais comparer ça parce qu'eux, ils sont allés très loin là-dedans. En fait, le problème qu'on a avec Blender, c'est qu'on a des supercomputers, on a plein de ressources à disposition, mais on arrive très vite à la limite de la RAM. Par exemple, on avait 128 Go de RAM et je les ai remplis directement avec une scène. Ça m'a cassé le supercomputer, en fait. Donc, j'ai dû vraiment... penser à d'autres approches, comment afficher 1 million de neurones avec des meshes qui ne soient pas trop compliquées. Et là, je vais vous montrer un autre exemple. Donc ça, c'était des outils de visualisation faits par différents instituts du projet. Et récemment, il y a notre projet a fait un paper scientifique qui a été publié.
Et j'ai eu la chance de participer en fait à la Cell, c'est un des trois journaux les plus connus dans le monde des sciences. Et ils m'ont demandé de faire une couverture, en fait, parce que notre paper a été sélectionné comme un des plus fort impact. Et là, par exemple, ça, c'est du Blender. Donc là, j'ai pu vraiment leur montrer la différence, surtout aux gens de notre projet, parce que jusque-là, ils faisaient des choses très simples, on va dire. Ils prenaient un mesh, et puis ils venaient sur les dendrites. Les dendrites, c'est les éléments... c'est les branches, en fait, des neurones. Et ils mettaient des couleurs dessus pour montrer les différents potentiels électriques. Et ça restait à ce niveau-là assez simple. Ils jouaient un peu sur la transparence. Ils faisaient des choses comme ça. Et là, dans Blender, ça a été un challenge parce que j'ai dû réduire les choses beaucoup. J'ai dû composer à la main en restant scientifiquement correct. Et on voit, il y a à peine 2% des neurones qui auraient en réalité. En réalité, on aurait un mur de neurones, on aurait un neurone dans la tête, et puis, enfin, on verrait 2-3 neurones, puis tout serait bloqué, parce que dans notre cerveau, les neurones sont vraiment, forment un mur, et il y a encore plein de choses qui sont pas mentionnées là-dedans, comme les glial cells, les astrocytes, tout plein de différentes cellules qui sont dans notre cerveau. Donc ça, c'est une simplification, en fait. Et là-dedans, il y a environ 3000 neurones avec différents niveaux de détails, celles qui sont proches, très détaillées, et puis en arrière-plan de moins en moins. Et j'ai proposé plusieurs versions, en fait, et c'est celle qui a été publiée au final dans le journal. Et pour une fois, ils ont laissé une touche artistique parce que j'ai pu vraiment faire la composition, j'ai pu inventer la chose en mettant cette lumière du haut, comme si on était dans, on peut imaginer ça, je sais pas, comme une église, on regarde un orgue et puis il y a la lumière qui descend. Exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc c'est avec ça que j'essaie de promouvoir Blender aussi auprès des scientifiques, pour leur dire qu'il n'y a pas seulement la visualisation fonctionnelle qu'ils font avec beaucoup de charts, de plots et tout ça, mais il y a aussi la visualisation bien foutue. qui voilà, artistique, qui vient compléter la chose, et ils savent qu'ils en ont besoin, en fait. Ils en ont vraiment besoin pour non seulement communiquer leurs résultats, mais aussi vendre leur projet. Donc ça, c'est un exemple de bon usage de Blender, à mon avis. Et j'essaye d'aller plus loin. Bon, là, j'ai rien prévu pour ici, donc je regarde si j'ai quelque chose d'autre. Un autre exemple, c'est peut-être une section de l'hippocampe. Donc voilà, aussi j'ai débarqué dans les neurosciences. J'en avais pas de connaissances préalables à part un cours sur Coursera que j'ai suivi 6 mois plus tôt. Donc là, ce que vous voyez, c'est des neurones. J'essaie d'expliquer assez simplement. Donc c'est que des neurones. Et on montre une section de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une section du cerveau qui a une forme d'hippocampe, en fait. C'est une des nouvelles sections qu'on est en train d'étudier. Et ça, c'est un type de visualisation scientifique qui est plus utilisé au jour le jour chez nous, parce que forcément, ça demande moins de travail que l'illustration que j'ai faite. Parce que l'illustration que j'ai faite, c'était moi dessus pendant 2 semaines environ. Sans compter les heures sup. Et ça, c'est différent. C'est le résultat d'un travail que j'ai réalisé à plus longue haleine, où vous avez vu la présentation de hier sur les arbres qui sont grandis en Blender. Et ben, j'ai eu la même approche que ce monsieur. C'est qu'en fait, je vois les neurones comme des arbres, sauf que c'est pas des arbres qui grimpent que d'un côté, c'est des arbres qui ont, donc le soma, c'est le cœur des neurones,
c'est de là que tout part, en fait, c'est le cœur, et après il y a différents troncs qui partent. Oui, entièrement Blender. Tout est Blender, Cycles. Photoshop. voilà. C'est le côté design que j'aimerais écarter. Tous les packages de After Effects, Photoshop et tout ça. Mais ça prend beaucoup de temps d'apprendre à utiliser Blender, Compositor. Et puis plus loin, la partie. Vidéo editing, tout ça. Je suis beaucoup plus à l'aise avec After Effects, je m'y retrouve mieux, mais j'aimerais vraiment passer entièrement sur Blender, de sorte à pouvoir montrer que même un designer peut travailler sur Linux. Ça va prendre un peu de temps quand même. Oui? Enfin, actuellement, c'est pas un secret, c'est juste que ce que j'ai fait, c'est une librairie qui permet de faire ça entièrement automatiquement. On donne des données et on va obtenir le résultat qu'on veut, coloré comme on veut. On peut même faire un template Blender avec des matériaux qu'on veut, plus élaborés, et ça va les utiliser pour générer une image ou un movie ou. Et après, on peut intervenir. Ce qui était nécessaire pour moi, c'était le côté manuel, semi-automatique et puis automatique. Et donc, c'est libre. C'est pas open source encore parce que, j'ai pas du tout préparé la chose. Je débarque. Mais probablement que l'année prochaine, ce sera open source et stable. Parce qu'en fait, mon équipe, je l'ai aussi mentionné, ils sont. Environ 9 développeurs, tous avec une expérience C++ énorme. Ils connaissent pas du tout Python, pour eux c'est un monde trop simple, et ils me demandent de faire des code reviews, de faire des unit tests, des choses comme ça, puis moi j'ai jamais fait. Je fais du code assez clean, mais je crois que ça devra passer un petit peu par ils devront tester un peu la chose et aussi contribuer à ça, parce que j'essaye de vraiment pousser Blender dans tout le projet pour que après les scientifiques puissent utiliser eux-mêmes ce genre de méthode là avec un JSON. On donne un JSON en paramètre et on a ça, mais le but, on va déjà beaucoup plus loin. On est en train de faire une interface web qui va générer le JSON, l'envoyer, qui va retourner l'image comme résultat qu'on pourra sauvegarder. Et ça va encore plus loin parce que un développeur chez nous a écrit des web services de sorte à ce que on transmette par REST un feed d'images. Donc on peut imaginer, et ils l'ont fait, en fait c'est assez incroyable, on avait une dizaine d'ordinateurs, de téléphones et de choses comme ça, et on avait Blender ou n'importe quoi qui tournait derrière. Et les images étaient envoyées directement sur les écrans par REST, en fait. Donc il suffit d'écrire le web service correspondant. On fait une application n'importe laquelle, on fait le web service, il prend les images et les amène là où on veut. Donc ça aussi, c'est tous des projets qu'on veut open sourcer. Voilà. Moi, j'ai beaucoup parlé, un peu n'importe comment. Non. Je voulais dire que, en fait, moi, c'est vachement intéressant, et je propose même que l'année prochaine, si tu peux, présenter ce genre de travaux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je trouve que ça mérite plus. C'est une jolie introduction, et vivement l'année prochaine. Hein. Ouais. On compte sur toi. Ok, un engagé. Donc la suite, c'était. Ouais. Pour tout ce qui est Python et compagnie, la test unitaire et autres, tu veux un coup de main? Tu peux juste me redire le nom du projet parce que j'ai déjà oublié. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est le gros morceau. Ouais. Ok. On en rediscutera après, hein, du coup. Ok, merci. Ah ouais, c'est ce que je dis, t'es de l'EPFL. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Équilibrer un peu. Je vais juste dire un petit mot parce que, comme on est français,
Bon, je ne vais pas refaire toute la présentation, mais pendant la présentation, je ne sais pas si vous y étiez. Effectivement, un de nos principaux front-end, c'est autour de Blender. Donc, vous pouvez aller voir directement sur soit sur notre site, sinon c'est blender.carnot.net. Ah, il y a quelqu'un qui est déjà allé. Hop, pardon, je suis les Mac, un peu du mal. Voilà. Donc c'est une interface assez simple. Vous pouvez vous enregistrer, avoir des crédits gratuits pour lancer vos premiers rendus. Bon, je vais essayer de me loguer. C'est un rendu qui a été lancé il y a quelques minutes. Ça a déjà fait 12 heures de calcul. Bon, c'est un projet que les gens connaissent peut-être. Donc là, en 12 minutes, il y a 12 heures 43 de calcul qui ont été faites. Donc juste, je vous présente très rapidement. Le principe, c'est assez simple. En fait, vous pouvez créer des projets, déposer vos fichiers, déposer vos textures. Alors des fois, au début, faire les links avec les textures, faut bien gérer les chemins relatifs. Hein. Mais bon, assez rapidement, les gens en général s'en sortent. L'interface est assez simple, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors c'était pas que pour vous montrer ça. Donc là, si vous voulez retourner voir l'output pendant que ça progresse, donc là vous avez une progress bar et puis il doit en être à peu près là. Voilà, donc il y a des tilings, donc ça progresse petit à petit. Mais au-delà de ça, Blender, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert un peu par hasard. Au départ, c'était vraiment pour faire un proof of concept, pour montrer un payload de computing. Parce que nous, on fait sur nos radiateurs, on fait du computing pour plein d'autres choses. On fait aussi des choses en Python, avec du MPI, avec plein d'autres choses. Ce qu'on aime beaucoup dans Blender, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses autour, de gens qui ont des projets parfois un peu dingo. Là, récemment, il y en a un qui nous a contacté. Il va récupérer les news sur je sais plus quel journal américain, le New York Times, et il récupère le flux RSS et puis il le transforme en Star Wars qui génère en Blender. Bon, il a une vue par jour, mais le concept est assez rigolo. Puis en fait, nous, ça nous plaisait bien parce que ça permettait aussi de tester le branchement directement sur l'API comme on l'avait fait avec Flamenco. Donc là, bon, c'était un peu anecdotique, mais bon, l'année dernière, il y avait Gaël Labousse qui nous avait contacté, qui avait fait un des shorts qui a été primé l'année dernière, un Jonas. Donc ça nous arrive aussi de donner des heures de calcul sur des projets qui ont l'air sympathiques, que ce soit des projets d'animation ou des choses en lien avec le domaine scientifique. On avait fait quelque chose autour de la simulation dynamique moléculaire avec Pierre et Marie Curie sur la mucoviscidose il y a 2 ans. Et nous, en fait, à la fois on est content parce que les gens sont contents, et puis on est content parce qu'on apprend des choses aussi, parce que la dynamique moléculaire, on n'en avait jamais fait. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous, on pense aussi à un autre aspect très intéressant, c'est l'aspect éducatif de Blender. On a reçu régulièrement des jeunes qui sont en stage de 3e ou 2e dans nos locaux, et Blender, ça l'a, bon, pas toujours, mais dans 80% des cas, les ados, ça leur plaît bien, ça les change un peu du jeu vidéo, tout en étant assez
on va dire quand même assez éducatif. On voit émerger de plus en plus de projets éducatifs effectivement dans les différentes villes, parce que maintenant en plus au collège il y a ce qu'on appelle les ARE, donc où on peut faire soit du Scooby-Doo, soit des, voilà, mais on se dit que peut-être Blender ou Arduino ou toutes ces choses-là c'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc on est assez ouvert sur ça. On sait que dans les différentes régions, on peut toujours trouver des aides pour, parce qu'effectivement, le sujet dans la 3D, c'est qu'il faut du calcul derrière. Hein, donc c'est bien aussi d'avoir des plateformes, des outils, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets intéressants. La couverture de Cells, c'est assez magnifique et c'est le genre de projet où nous on adore ça quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie. Question ? Ou tu veux monter ? Ouais, c'est bien ? Alors pour la dynamique moléculaire, on avait utilisé NAMD. Qui est un quelque chose d'open source. Donc c'est pas dispo directement sur notre plateforme, donc on l'avait fait en one-to-one avec eux. Bon, la particularité c'est que ça utilise du MPI. Notre plateforme c'est pas un super computer non plus, donc on est très adapté à des sujets plutôt type bag of task. Donc en fait ce qu'on faisait pour eux c'est que on travaillait en partant de différents niveaux de potentiel pour voir un peu quelles étaient les pistes les plus prometteuses, on va dire, parce que eux ils avaient des crédits sur leur ferme CNRS. Ils avaient, je sais plus, 150 000 heures par an, un truc comme ça. Mais ils voulaient vraiment les utiliser pour les pistes les plus prometteuses. Donc nous, on faisait des pré-tests. Et après, les pistes qui étaient les plus intéressantes, ils les lançaient sur leur propre supercomputer, où là, c'était du MPI très connexe. Donc voilà, c'était une expérimentation comme ça qui était intéressante. Mais on a des sujets de recherche, par exemple, sur des sujets, alors là, c'est un peu plus matheux, mais des problématiques NP complets, où il y a de plus en plus d'algorithmes distribués avec des heuristiques un peu distribuables. Donc nous, on n'est pas des spécialistes de ça, mais en général, quand on nous explique, on comprend. Bonjour, je m'appelle Alain Maté, je viens de Suisse. Je profite de passer juste après monsieur, il ne sait encore pas pourquoi, mais il va le savoir bientôt. Enfin si, peut-être que mon nom vous dit quelque chose. J'ai eu utilisé les services de Carnot. Vous savez qu'il y a un truc USB libre par là ? Je l'essaye en 2 minutes. La vidéo fait 40 secondes, je crois. Elle est détectée automatiquement. Vas-y, si tu peux m'ouvrir le truc. Je suis un mâle, je fais pas plusieurs choses en même temps. Amsterdam. Blender est rendu. Dans Blender, il y a un truc rendu. Et puis après, ouais, après c'est bon. Non, juste le final, mais pas tout de suite. Oui, pas c'est bon. Merci. Oui, je suis suisse. Je veux pas court-circuiter Olivier, mais je crois que j'ai été le premier à organiser une rencontre d'utilisateurs en Suisse il y a, je sais pas, presque 10 ans. Puis après, on a fait plus ou moins ensemble. Je suis programmeur, mais rien à voir ni avec le graphisme ni la 3D. J'utilise Blender depuis la version 2.33a, je crois. J'ai fait une présentation sur des travaux que j'ai fait les 4-5 dernières années. J'ai fait une présentation vendredi soir, mais il y avait 4 personnes, je crois. Donc je profite de vous remettre une couche ici.
Donc j'utilise Blender en semi-professionnel à temps partiel depuis maintenant 4-5 ans. Et puis j'ai aussi donné des cours à des ados, j'ai eu l'occasion de donner des cours une fois dans une école. Donc j'essaye un petit peu tout ce qui passe par là, tout ce qui se propose. Et puis simplement pour résumer, la vidéo que je vous montre là, qui dure je crois 40 secondes, c'est un très court résumé de deux projets que j'ai fait pour une entreprise qui est pas loin de chez moi, qui travaille dans le déminage humanitaire et qui construisent des machines de déminage en fait. Et voilà, je vais vous montrer ça. C'est normal, il n'y a pas de son par contre, ça c'était prévu. C'est le final. Ah non, c'est pas le final celui-là. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ouais, elle est sympa aussi, mais c'est pas la bonne. J'ai dit ça moi. Faut pas écouter ce que je dis. Le final, ouais. Voilà. Yes. Non, c'est normal. Je me suis dit, c'est un truc qui va planter, donc j'en mets pas. Ça, c'est des images de test qu'ils ont fait pour prouver que la machine résiste sur des mines anti-chars, en fait. Normalement, elle est prévue pour faire du déminage, de détruire des mines anti-personnel, mais pour être sûr qu'elle résiste dans des conditions extrêmes, ils l'ont testée sur des mines anti-chars. Voilà. Merci. Merci. Moi, je vais pas faire une présentation de toute façon de la boîte que je suis en train de créer tout ça maintenant. Je m'appelle Flavio. Je suis en train de créer une boîte qui s'appelle l'effet spécial, c'est juste pour la nommer si vous le cherchez. Donc c'est l'effet, mais c'est écrit comme les petites fées, d'accord ? Effet EES. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant en France en ce moment. C'est alors moi, je fais vraiment partie de, je suis dans l'animation. Hein, j'étais à MacGuff avant les mois moches et méchants et trucs comme ça. Donc je suis vraiment dans ce milieu-là. Mais il y a une vraie prise de conscience qui se passe en ce moment en France, et ça, je trouve ça intéressant de la souligner. Les studios commencent à réagir face au passage au système de cloud, par exemple, d'Autodesk et d'Adobe. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a de la demande qui se met en place. Nous, on fait de la formation pro, par exemple, aussi, pour des professionnels qui connaissent déjà Maya ou Max, par exemple, et qui passent à Blender. Donc, on a des sessions d'une semaine. Et on a des projets assez chouettes. Vous pourrez trouver un peu notre actualité sur le site si vous voulez, ou la page Facebook, ou enfin les réseaux habituels. Et voilà. Et l'autre point que je voulais soulever, c'est par rapport au Blender User Group. On en a aussi un à Montpellier. C'est tous les premiers mardis du mois. Depuis cette année, c'est à la médiathèque Fellini. Pour ceux qui sont de Montpellier, il y en a chouette de celle ici. Mais c'est la question de qu'est-ce qu'on y fait en fait dans ces Blender User Group, qu'est-ce qu'on fait pendant ces deux heures. Et ça, bon, là on n'a plus trop le temps d'en discuter, mais savoir ce que les autres groupes font et peut-être être en discussion entre les différents groupes, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Bon. Bah, voilà pour une première fois. Donc on va réfléchir au concept. On a bien sûr c'était l'occasion de se voir, aussi là. Donc, je propose que vous regardiez votre voisin et les voisins un peu à côté. Ça, vous connaissez bien. Et puis, bah, je propose de continuer un peu après, pendant et online aussi. Donc, on va laisser la place au suivant. Et je vous remercie beaucoup.